ça là, c'est mon lit. Ça là, c'est mon sèche-linge. Et ça là, c'est mon truc pour faire les cours. Voilà, j'ai calé les trucs contre les murs parce que j'ai pas la place chez moi de faire des burpees. Ou plutôt, j'ai la place de faire des burpees, mais j'ai pas la place de me filmer en train de faire des burpees. C'est très bizarre de vous parler à vous de tout là-haut. J'ai l'impression d'être Norman. Sauf que moi, j'ai pas la caméra qui. J'ai fait deux vidéos trop longues. En fait, j'avais dit sur Snap que le week-end, je ferais des vidéos un peu plus longues. Donc, moi, je considère que j'ai fait une entorse au challenge. Et donc vous m'avez dit, si tu ne respectes pas ton challenge de 5 minutes de vidéo, alors tu feras 50 burpees. Est-ce que la personne qui a dit ça a déjà fait des burpees dans sa vie? Bon, on y va. Je me suis échauffée. Enfin, je me suis pas dit, tiens, je vais faire 50 burpees comme ça sans échauffement. Oh putain, j'ai pas envie. La fille est déjà blasée, elle a pas commencé, tu sais. Ceci n'est pas un tuto, ne pas reproduire chez vous, surtout pas. Les autres youtubeurs qui disent qu'ils adorent leurs abonnés, qui les aiment. Putain, mais là, tout de suite, là, je vous déteste. J'en suis à 30. Allez. J'espère que c'est pas trop sexuel. Comme son. Parce que moi, je m'entends, ça fait très film porno quand même. Dernière série. Je sais pas si je les aurais fait sans caméra, franchement. Et j'en ai pas un qui vient me dire que je les fais pas bien. Et que je les fais pas assez grand. Et que je saute pas assez haut. Et que je tire pas assez mes jambes. Et tout ça. Bon, je vais m'étirer. J'ai décidé que faire des vidéos spontanées avait plus d'importance pour moi que faire des vidéos concises. Du coup, pour ne pas m'infliger 50 burpees tous les deux jours. Quoique ça sera peut-être bon pour moi, j'en sais rien. J'ai décidé de ne plus m'imposer 5 minutes. Même si le défi de rester concise et de ne pas se répéter deux fois dans la vidéo reste vrai. C'est juste que la concision ne dépend pas forcément de la longueur. Mais en ayant une longueur de vidéo définie comme petite, j'étais dans l'obligation d'être concise. Alors que sans limite, je ne suis pas dans l'obligation d'être concise. Mais je vais m'obliger à l'être. Ce sera plus dur du coup, mais ça me permettra aussi d'aborder n'importe quel sujet comme ça me plaît, parce que il y a des sujets que même avec concision, je n'ai pas envie d'aborder en 5 minutes parce que j'ai plus à dire que ce qui pourrait tenir en 5 minutes. Et c'était le cas par exemple de la vidéo sur l'âge adulte que je vous remettrai en lien. C'était une vidéo que j'avais hyper envie de faire et j'ai voulu suivre l'inspiration et le faire le jour où j'ai eu envie, sans tenir compte de la longueur que ça allait faire. Et je pense que cette vidéo est bien concise et qu'elle est cool. Et parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce qui est génial aussi dans une vidéo par jour, et c'est ce que j'avais adoré les fois précédentes où j'ai fait, c'est pouvoir suivre son inspiration le jour et faire un truc comme ça et d'être dans une spirale d'inspiration. Et si je fais des vidéos de 5 minutes, c'est-à-dire que je suis obligée de beaucoup les organiser, beaucoup les penser, ce qui est très bien, hein, c'est un très bon exercice pour moi, mais ça me coupe un peu dans mon inspiration parce que je peux pas faire ce que je veux comme je veux. Et je pense que finalement, toute réflexion faite, cet aspect-là de spontanéité artistique, si je peux parler d'art, parce que je considère pas que je fais de l'art sur cette chaîne, mais cette spontanéité-là a plus de valeur pour moi que la concision à tout prix, sachant que de toute façon je travaille sur ma concision. Donc voilà, vous avez le droit de me reprendre dans les commentaires si vous me voyez me répéter, parce que c'est ça que je vais essayer d'améliorer dans le futur. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao ciao, et merci malgré tout. Merci d'être là.